فاطمة عبد الملك رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا. هذه المنظمة التي منحت للرباط شرف احتضان هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة كأول عاصمة إفريقية. À présent, place à la présidente de cité gouvernement locaux Unis d'Afrique. Je vous demande d'applaudir Madame Fatimatou Abdelmalik. على معالي وزير الثقافة وأن يجنبنا الوباء والبلاء إنه هو لذلك القادر عليه. الكلمة هذه المرة ستكون بالفرنسية لاحترام التنوع الثقافي فقط ليس إلا. سيدي السكرتير جنرال du ministère de la culture, de la jeunesse et de la communication, madame la maire de Rabat, cher Asma, monsieur le secrétaire général de la wilaya de Rabat Saleh Gnetra, monsieur le président des arrondissements, monsieur le gouverneur, monsieur le secrétaire général des cités gouvernementales aux États-Unis d'Afrique, mesdames, messieurs les membres du Parlement, mesdames, messieurs les ambassadeurs, membres des corps diplomatiques et des organisations de coopération africaine et internationale, mesdames, messieurs les leaders et élus du monde de la culture, des arts, des lettres, du patrimoine et des industries créatives, mesdames, messieurs les représentants du milieu universitaire et de la recherche, mesdames et messieurs les représentants des médias, honorables invités, mesdames, messieurs. Je vous apporte le salut des leaders et élus des collectivités territoriales regroupées au sein des cités gouvernementales aux États-Unis d'Afrique, d'organisations fêtières représentant les villes et régions de l'ensemble du continent africain. Je me réjouis sincèrement de participer à la présente cérémonie de lancement officiel de la célébration Rabat, capitale africaine de la culture, après la période difficile marquée par l'impact de la crise sanitaire de la COVID-19. C'est en 2018 que les membres des cités gouvernementales aux États-Unis d'Afrique décident d'inscrire la culture au cœur des politiques locales comme quatrième pilier de développement durable, aux côtés des piliers économiques, sociaux et environnementaux. Les villes creusées des civilisations et lieux d'épanouissement des sociétés ont, vis-à-vis du rayonnement de la culture en Afrique, des responsabilités particulières. C'est la raison pour laquelle les membres des cités gouvernementales aux États-Unis d'Afrique ont institué la célébration des capitales africaines de la culture tous les deux ans et ont inscrit cette initiative parmi les programmes prioritaires de ce GLI Afrique. C'est aussi cette raison que les membres de ce GLI Afrique ont accepté et désigné le secrétaire général de ce GLI Afrique à la présidence des capitales africaines de la culture, M. Elombassi. Mesdames, Messieurs, la célébration des capitales africaines de la culture se donne pour objectif principal de faire de la culture dans les villes africaines un vecteur de raffermissement du sentiment d'appartenance, de l'estime de soi, de la promotion, de la magnification, de la créativité et de la beauté africaine en vue d'un réarmement historique, culturel et moral des populations de la diaspora africaine, de la jeunesse en particulier. La célébration des capitales africaines de la culture voudrait aussi faire reconnaître la redescription des activités artistiques, de la culture artistique et culturelle et des industries créatives, ainsi que des promoteurs et professionnels au rayonnement international du continent africain. C'est à travers les villes que se diffusent des influences culturelles venues du reste du monde. Et c'est souvent
commence d'abord au contact des villes que le monde va à la rencontre de l'Afrique. Point de contact de l'Afrique avec le reste du monde. Les villes sont aussi des lieux de la synthèse entre cultures autochtones et influences culturelles extérieures. Les capitales africaines de la culture voudraient célébrer ce rôle unique de synthèse joué par les villes africaines dans le domaine des arts et de la culture. Mesdames, Messieurs, le choix d'Arabat pour célébrer la toute première capitale africaine de la culture en 2022 et 2023 manifeste la reconnaissance de la communauté des leaders et élus, des leaders et élus des collectivités territoriales d'Afrique, les efforts menés par cette ville et par le Royaume du Maroc pour promouvoir la culture comme moyen de conjuguer la tradition, modernité, authenticité et ouverture à l'universel. De juin 2022 à mai 2023, Rabat va être le point de ralliement de la vitrine de tout ce que l'Afrique compte de meilleur dans les domaines de la création, des arts, de la culture et du patrimoine. Rabat sera aussi le lieu de renouvellement de la réflexion sur les politiques territoriales de la culture et de l'impact de ces politiques sur la démocratisation de la culture et le renforcement de la citoyenneté. Tandis que l'Afrique culturelle et artistique sera accueillie à Rabat, une programmation culturelle, artistique, parallèle sera organisée dans 5 villes d'Afrique, une par région, sous la forme d'une quinzaine culturelle marocaine. De cette manière, la célébration d'Arabat, capitale africaine de la culture, va inviter une dynamique qui est porteuse d'un renouveau des arts et de la culture en Afrique, entre la résonance avec la célébration du 24 janvier de chaque année de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-ascendante. La célébration d'Arabat, comme la toute première capitale africaine de la culture, c'est d'une portée pratique et symbolique de première importance. Il s'agit d'un défi majeur qui nécessite la mobilisation des collectivités territoriales, des acteurs culturels et de toutes les bonnes volontés à travers le continent africain et au-delà. J'espère que cette célébration bénéficie du haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI est déjà pour nous un gage de réussite. Par ailleurs, l'engagement du Conseil de la ville d'Arabat et la mobilisation extraordinaire du comité de pilotage animé par M. le Wali d'Arabat, Saleh Nedra, et du comité d'organisation animé par Son Excellence M. le ministre de la Culture, ainsi que l'investissement de toute l'équipe du secrétariat général de CGT Afrique, laisse présager un succès certain de la célébration d'Arabat, capitale africaine de la culture. C'est en tout cas mon vœu le plus cher. Je vous remercie pour votre attention. والله هو المتوفيق أشكركم السلام عليكم شكرا يا السيدة فاطمة عبد الملك ومن خلالها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا Merci encore à la présidente du GLUA, Madame Fatimato Abdelmalik, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. نشكر كل القائمين على هذا الحدث الكبير وسنكون سعداء بأن نحضر كل هذه الاحتفالية وكل هذه التظاهرات الثقافية ولا يفوتني أن أشكر السيد محمد بن يعقوب الذي عين مؤخرا مندوبا عاما للرباط عاصمة الثقافة الإفريقية ونتمنى له التوفيق C'est vrai qu'il faut retenir ce nom, il faut le retenir ce nom de M. Mohamed Ben Yacoub, le commissaire général de Rabat, capitale africaine de la culture. On lui souhaite bon courage et à toute l'équipe qui est derrière cette manifestation grandiose. À présent que le lancement officiel a été effectué, tout simplement place à la fête. Place à la fête. Avec une troupe constituée de différents membres qui représentent à eux le continent africain, une troupe qui
tend tout simplement à revaloriser la diversité des héritages culturels du continent africain. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir en les applaudissant et en les encourageant très fort les Africa Fusion. Africa Fusion.